Et maintenant, nous passons à la correction de la dictée. Nous avons sélectionné quelques points qui pourraient poser quelques difficultés. Sachez que vous pourrez retrouver l'intégralité du texte sur notre page Facebook. Au fin fond de la terre. Fin fond. Fond ne prend pas de S au singulier lorsqu'il s'agit de la partie la plus basse d'un lieu, d'une chose, d'un récipient. Exemple, le fond d'un lac, le fond d'une bouteille, etc. Lorsque la terre se refroidit peu à peu au premier jour du monde, terre. Les planètes, les étoiles et les signes du zodiaque prennent toujours une majuscule. Exemple, la terre, le signe du Verseau, la planète Jupiter, etc. La diminution de son volume produisit dans la croûte des ruptures, des retraits, des fendilles, à mesure que nous descendions le millefeuille de soufre, millefeuille. La graphie recommandée par les rectifications orthographiques de 1990 est celle sans trait d'union. En outre, la règle définie par l'Académie française est de ne pas mettre de S à millefeuille quand il est employé au singulier. Silicates et autres éléments lithophiles apparaissaient avec plus de netteté. Lithophile. En géochimie, un élément lithophile est un élément chimique qui se rencontre fréquemment en association avec des oxydes minéraux en raison d'une affinité particulière pour l'oxygène, d'où leur abondance naturelle élevée parmi les silicates. La science géologique considère ces antres privilégiés, s'il en fut, comme la base de l'écorce minérale. Antres privilégiés. Antre étant un nom masculin, l'accord doit se faire en fonction. S'il en fut. Cette expression figée use du passé simple. Ce qui exclut, à la troisième personne du singulier, tout accent circonflexe. Et elle a reconnu que le terrain primitif se compose de trois strates superposées. Les schistes, les gneisses, gneisses, nom masculin, qui se termine par deux S. Le gneiss est une roche métamorphique à grains grossiers où alternent les plages claires, quartz, feldspath, et foncé, mica, amphibole. Les micaschistes, nom masculin, roche composée de mica et de quartz. Reposant sur cette roche inébranlable qu'on appelle le granit. Or, ne prétend-on pas, il n'y a pas besoin ici d'un T euphonique, le verbe se terminant par un D. Que jamais minéralogiste ne s'était donné rendez-vous dans des circonstances aussi merveilleuses pour étudier la nature in situ. C'était donner rendez-vous. Le complément d'objet direct étant rendez-vous, le participe passé de ce verbe, accidentellement pronominal, n'a aucune raison de s'accorder. Ce que la sonde, machine inintelligente et brutale, ne pouvait rapporter à la surface du globe, nous allions en 1889, même multipliés, 100 et 20 ne prennent pas la marque du pluriel s'ils sont suivis d'un autre adjectif numéral. L'étudier de nos yeux, le toucher de nos mains.
La plupart s'estimaient fin prêts pour cette expérience. La plupart s'estimaient fin prêts. Quand la plupart n'est pas suivi d'un complément, le verbe se met au pluriel. Faisant fi des mauvais augures. Mauvais augure. Augure étant un nom masculin, l'accord doit se faire en fonction. À quelques 200 pieds sous terre, à quelques 200 pieds, si l'adverbe « quelque » est toujours invariable, il signifie ici « environ », « à peu près », « cent », une fois multiplié, garde la marque du pluriel, s'il n'est pas suivi d'un adjectif numéral, mais d'un nom. À travers l'étage des schistes, colorés de belles nuances vertes et bleu clair, bleu clair. Quand plusieurs mots sont nécessaires pour qualifier une seule couleur, l'ensemble de la locution adjective reste invariable. Pas de trait d'union ici, clair n'étant pas un adjectif de couleur. Serpentaient de ci de là des filons métalliques de cuivre. De ci de là. À distinguer impérativement pour l'orthographe de ça, de là. Les traits d'union sont indispensables. De manganèse, avec quelques traces de platine et d'or. Je songeais à ces richesses enfouies dans les entrailles du globe, ces abysses quasi inexplorés. Abysses quasi inexplorés. Abyss étant un nom masculin, l'accord doit se faire en fonction. Dont l'avide humanité n'aura jamais la jouissance. Ces trésors qui sont légions, ce nom est toujours invariable dans la locution « être légion ». Les bouleversements des premiers jours les ont enterrés à de telles profondeurs que ni pioche ni pique ne saurait les arracher à leur tombeau. Ni pioche ni pique ne saurait. Lorsque plusieurs sujets au singulier sont accordés par la conjonction « ni », le verbe s'accorde généralement au pluriel, comme c'est le cas ici. Dut-on y mettre beaucoup d'ardeur ? Dut-on ? Il s'agit ici d'un subjonctif imparfait et non d'une conjugaison au passé simple, ce qui signifie que l'accent circonflexe sur le « u » est obligatoire. Merci encore pour votre participation, en souhaitant vous retrouver l'année prochaine pour la nouvelle dictée et à la médiathèque quand vous le souhaitez.